Bon alors, tu descends ton véhicule, bouge ton cul. Allez. Tu descends ton véhicule. En droite, descends. Descends. Je bouge pas, je bouge pas. Tu vas me donner des sous et tu vas me donner les clés de ton véhicule. Donne le véhicule. Circule. Donne le véhicule, ouvre-le. Il est ouvert, il est ouvert. Circule. Circule. En voiture. T'arrives pas à la démarrer, hein. PD va. Taxi, aide-moi! On est près d'un taxi! Enculé! Tiens! Ah la bâtard! Je me battrai pour ma voiture! Oh putain, merde! Tiens ta race! Grosse merde! Rageux! Dommage, y'a plus de voiture! Et du coup, mon véhicule est mort, donc là c'est bon. Bonjour monsieur. Oui, en quoi puis-je aider? J'ai vu votre annonce de nettoyage de bœuf bourguignon qui oui. Me paraît très intéressant. Ah. Oui monsieur, donc je vous explique, mon nom est Philippe Simard. Je suis espion tueur à gages professionnel depuis quelques années dans le domaine. Et monsieur, je voulais savoir si vous étiez intéressé à voir votre espion avec vous. Un espion avec moi pour m'aider? Oui, tout à fait. Donc je m'appelle Monsieur Simard, je suis dans le domaine depuis plus de 25 ans dans l'espionnage pour actes illégaux. Donc je montre mes calibres monsieur. Donc premièrement on commence avec un MP9, ensuite avec un HK USP. Et il est cash hein. Je propose qu'on aille au parking mairie si ça vous intéresse de faire mon service de nettoyage de poils bourguignons. C'est quoi cette conduite ouais. Monsieur, descendez du véhicule, descendez du véhicule. Non monsieur. Descendez du véhicule, descendez. On appelle ça monsieur de la légitime défense. Ouais. Vous tirez sur qui? Ok monsieur, venez en dégâts. Attendez-moi. Venez monsieur. Vas-y, roule. J'en ai tué un. Ah. Montez. Mais y'a que deux places. Merci. Y'a qu'une place, je peux pas monter. Voilà, monte. On se casse un pied. Allons-y, monsieur. Bonjour. Il y a quelqu'un qui monte. Bonjour, monsieur. Bonjour. On voudrait vous entretenir avec vous, monsieur le maire, histoire qu'on puisse parler. Vous avez dit quoi? Nous, on est nettoyeurs de vaisselle depuis plus de 40 ans d'expérience dans le milieu. Et depuis, on travaille aussi avec le gouvernement au niveau du nettoyage des routes et des trottoirs et de toutes sortes de nettoyages express. Merci. Que vous aviez monsieur plutôt des poils... Et je crois qu'ils veulent me buter. Ils veulent me buter. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, enchanté, je suis nettoyeur d'assiettes. On nettoie différentes assiettes, quoique un peu... Voilà quoi. Et on voulait savoir si vous cherchiez quelque chose. Par exemple, je sais pas, je vois que vous avez un collègue à côté. Est-ce qu'il a pas des assiettes à nettoyer? Assiettes? Ça dépend comment vous le faites. Ça dépend. J'ai 869 €. J'ai pas beaucoup, monsieur. Collègue? Bah oui, c'est parfait. Pour un nettoyement d'assiettes? C'est bon, des bonnes cacahuètes. Vous voulez le sniper d'ici avec la porte ouverte? Fallait lui parler. Okay, vas-y, je reviens. Je reste là. Attire-le. Putain, je vois pas, je vois que dalle, il est où ce con? Ouvre la porte! Ouvre la porte! Ouvre la putain de porte! Et... carton. Il est pas mort! Il est pas mort! Putain, enfoiré! Pourquoi il est pas mort? Je lui ai mis un plein headshot! Merde! J'ai réussi à avoir le véhicule. Ouais, mais ce qui me fait chier, c'est l'autre là. C'est l'autre con là, il m'énerve. Je lui ai mis une plaie de tête, mais dans le nez, hein. Je lui ai mis dans le nez, hein, je te jure. Nique sa mère. Ouh. Dans ton chat, on voit ça, on voit Julien, il est gay. Ah oui, je l'ai vu ça. Et il y a écrit Julien Studio et écrit Julien, il est gay. Attends, oh. Les gars, il y a un bot. Salut Tiffany. Regardez tout le monde, regardez ce beau chat à gauche. Move PD de merde. Ah d'accord, ça c'est Mustang, y a pas de... Ouais. Salut Julien Studio. Salut, bonsoir. Salut FTZ, gamer parenté. Salut, bonsoir. Voilà, d'abord il y a posé un mon nom. Et voilà,
Putain, mais dégage là! C'est qui? C'est toi, PD. C'est moi, je voulais te voler l'argent que t'allais retirer. Arrête-toi, je te dis! Oh, tu t'arrêtes là! Il m'a volé l'argent. Je te dis de. Ok. Arrête-toi! Julien, trop crazy. Oh! Eh, oh, arrête! Mais mon argent! Eh, reviens, hein! Police! Mais putain, mais il me taille, c'est lui qui me vole! Mais c'est quoi ce. Je vais le tuer! Il m'a volé! Le rouge! Je vais le tuer! Ouais, le rouge, je vais le tuer, je vais le tuer. Il m'a volé, monsieur l'agent. Eh, ça vous que là, monsieur, je vous ai vu. Il est où? Je vais te tuer. Il m'a volé. On te vole pas, mes copains. On vole pas, mes copains. Je veux bien vos yeux, mais il m'a volé. Vole pas l'argent de mes potes. Alors ah, mais pourquoi on me tase? Mais pourquoi vous me tasez? Pourquoi vous me tasez? C'est un voleur! Ah oh bah j'ai récupéré 1000 par terre. Bah oui, mais non, mais putain, il s'est barré! Mais chaque gars que j'arrête, il. Bah oui, mais faut faire quelque chose, hein! C'est le bordel, regarde! Eh, y'a un harpon là! Y'a un harpon! Go le prendre, hein! J'ai un harpon! Eh, mais je vous reconnais, vous! C'est vous! Le salaud! Il est où? Là, il est place de place! Il court après! Maintenant, j'ai un harpon, je vais pouvoir te tuer! À mort! J'ai tué! Salopard! C'était un voleur! Si tu peux lâcher leur monsieur! C'est parti! Oh putain, le con! Oh là, il est passé où là? Ah d'accord, il est tout en haut! Il a attrapé un nuage! Il est tout en haut, mais ça se trouve, t'as tué un ami en haut! Tu sais, tu vois un ami qui tombe! Mais dis donc, c'est que cette voiture elle est mal garée. C'est vrai. Faudrait mettre une amende ici là. Eh ben on va retrouver la personne qui va être dans les parages. Ben on va appeler un dépanneur. Il va amener ça. Il va amener ça à la fourrière. Elle est où la plaque? Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Aïe, ah ah ah. Tire. Enculé. Je suis un civil. On l'arrête. Nous sommes dans à la tentative de fuite. Et il a tenté de me tuer. Un endroit où il fallait pas. C'était un endroit où il y avait des piétons normalement. Ouais, il a tenté de t'écraser. Ouais. Et il a refusé. Oh. Il a refusé de coopérer. Bon, on va marcher. Ouais, de coopérer. Ah bah attention là. Ah. Ah là-bas, regarde. Où ça? Avec ma config, je peux voir les trucs très loin. Salut les collègues, on l'a poursuivi. Bien joué. C'est parti. Y a quelqu'un qui peut sécuriser son véhicule. Bien sûr. Waouh, on va rester là, on va appeler une dépanneuse. C'est-à-dire que Robocop, il mange que de la compote. Ah ouais, ouais. Ah oui, je l'ai vu. Ah, c'était horrible. Ça m'a traumatisé cette scène, mec, quand j'étais petit. Ouais, monte ma poule. Ah merde. Bon, vas-y, je vais mettre les monottes au véhicule. Eh, tu bouges pas, hein. Je vous arrête. Non, attends. Urgence policière. Ah, c'est beau ce que j'ai mis quand même. Ouais, bah pareil. Ah, ah nickel. Ah, en 2-2, rapide. Non, vous inquiétez pas, il est déjà abîmé. Oh, GG. Ah putain, il est raté là. Bien joué, merci. Collègue, vous avez pas de voiture? Ah ouais. Attends, toi. Il est en train de le braquer, Tu vas contre le mur. Tu vas contre le mur, nous sommes 3 agents. Contre le mur. Relâche ton arme. Ils ont dit qu'ils allaient le braquer. D'accord, ça. Ah, mais non, mais non. Eh, le petit là. Voilà, tu vas contre le mur, je t'ai vu avec un pampan. Putain, mais vous êtes tous des agents là. Encore? Pas drôle, encore. Regarde, pas de rendez-vous. Ah, viens, on y va. S'il vous plaît, merci. Oh, regarde ce que j'ai trouvé. C'est un Godemichet. C'est flic, il y a une réunion, vous bougez, hein. Bouger, on se calme, doucement, hein. Ouais. Putain, ouais, on va pas lever les cochons ensemble. T'es en métal, t'es en métal, on t'a crié. Ah ouais, bah, j'allais gueuler. Regarde, en plus, ils savent même pas écrire dans le police d'agenda. Bonjour. Il prend l'affaire. Bonsoir. Vous demande de sortir. Ouais, bah là, y'a plutôt des gens qui se foutent de ma gueule, ouais. Sortez. Oh putain, il est vénère. Alors, montrez-moi votre badge, s'il vous plaît. Tout est nous. Voilà. Il paraît quand même un peu enfantin pour être vraiment un personne de la BAC. Ensuite, on va faire l'appel et tous les agents de police qui seront sur l'ordinateur de cette ville et qui ne seront pas présents seront immédiatement rétrogradés. Monsieur, vous êtes pas ici pour vous détendre, donc vous vous levez, vous vous asseyez correctement. Ah, putain, c'est...